vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait quelques jours que je n'ai pas pris la caméra. Et autant vous dire que ça me manquait. Vloguer c'est comme une drogue quoi. Quand on a l'habitude après c'est un truc qu'on s'en passe plus. En fait c'est un automatisme quoi presque. À chaque fois que je fais un truc j'ai envie de vous en parler. Et ce jour là par exemple si j'ai pas fumé je me dis mince j'aurais dû vloguer. Et je sais pas, voilà. Donc je suis contente de vous prendre aujourd'hui même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Ça sera surtout un vlog blabla. Je pense qu'il y a quelques trucs dont je voudrais vous parler un peu plus tard. Là je viens de rentrer. Il est 11h30. J'ai commencé à préparer mon repas. Je suis toute seule. Et je suis allée en ville. Donc voilà, je vais vous montrer. Je suis allée au magasin bio acheter quelques fruits, quelques légumes. Je vous avais dit que j'irai sûrement à la Vie Éclair. Parce que c'est un magasin où il y a les prix coutons le week-end, donc vendredi, samedi et dimanche, en tout cas chez moi. Mais c'est pas tout à fait à côté de là où j'habite. C'est pas très très loin, hein. C'est à 10-15 minutes, c'est pas au bout du monde. Mais vu que j'étais en ville et que je savais déjà que j'étais un peu à la bourre au niveau de mon emploi du temps, je me suis dit que j'allais plutôt aller prendre un magasin bio qui avait juste à côté de là où je devais aller. Du coup, je suis allée à ce magasin-là. Voilà. Mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Je me suis dit au final, même si je paye 1 ou 2 € de plus, si je mets le gazole pour aller de l'autre côté, c'est pareil. Donc je pense que la prochaine fois, j'irai à la Vie Éclair parce que j'avais bien aimé. Mais voilà, là pour le coup, je suis pas allée à ce magasin-là. Je suis allée au magasin bio, c'est bon, je crois, un truc comme ça. Je vais vous montrer. Je suis allée à Françoisie récupérer un colis. J'ai fait un petit achat à la Fnac. Et il y a autre chose que j'ai acheté bon, il y a quelques jours et que je voulais vous montrer parce que je trouve ça trop trop mignon. Et je pense qu'il y a pas mal de moments à qui ça va plaire. Et voilà, donc tout ça je vais vous montrer. Je voulais vous donner des nouvelles aussi parce que du coup le petit avait été malade il y a la semaine dernière en fait. Donc vous peut-être que ça sera plus récent pour vous parce que les vlogs sont décalés. Mais c'était la semaine dernière où il avait été malade, où il toussait tout ça. Le docteur m'avait donné des suppositoires et du sirop. C'était passé et depuis en fait pas cette nuit là, la nuit d'avant, il a recommencé à tousser. Donc il y a la nuit précédente c'était un petit peu mais ça allait, ça l'avait quand même fait vomir donc du coup j'avais dû changer, il avait vomi dans son lit mais il s'était vomi plus sur lui que sur ses draps, du coup ça allait. Et cette nuit il rebelote, donc au moment de se coucher il tousse, il se vomit dessus, du coup rebelote, on re-nettoie, sauf que là pour le coup il avait vomi sur son oreiller, c'était génial, j'adore. Du coup j'ai tout nettoyé et au final il s'est rendormi dans son lit, sauf qu'il a toussé non-stop toute la nuit et au début ça l'a réveillé, du coup il est venu avec moi. Je l'ai gardé avec moi parce que j'aime bien l'avoir avec moi quand il est malade, enfin voilà, je me sens mieux. Sauf que là il n'a pas arrêté de tousser toute la nuit, donc lui il a réussi à dormir. Je ne sais pas comment ça se fait, il s'est pas réveillé toutes les 5 minutes, sauf que moi ça m'a réveillé toutes les 5 minutes, donc je n'ai presque pas dormi cette nuit. J'ai été réveillée au moins 15 ou 20 fois, je ne sais pas. Donc voilà. Et ce matin, bah, il se levait, ouais, il était bien. Bon, il était un peu fatigué forcément parce qu'il n'a pas une nuit très reposante à mon avis. Mais ça allait. Donc je me suis dit, je vais quand même l'amener au docteur. J'ai posé qu'elle est à l'école, je l'ai amené au médecin. Le médecin m'a dit que c'était sûrement une virose et une bronchite. Ou l'une ou l'autre ou les deux, je ne sais plus. Et du coup il m'a marqué un inhalateur avec du spray, des trucs. Et il m'a dit peut-être qu'il avait un début d'otite aussi. Donc pour l'instant ça, il n'y avait rien encore, c'était juste le début. Donc il m'a marqué des antibiotiques au cas où. Donc pour l'instant je ne lui donne rien. C'est juste s'il a de la fièvre, parce qu'il n'avait pas de fièvre pour l'instant. Voilà, donc je suis allée le voir, je lui ai demandé si Aaron pouvait quand même aller à la crèche ou pas. Il m'a dit que oui, s'il était bien, voilà, il n'y avait pas de souci. Donc je l'ai quand même mis à la crèche parce que hier Aaron s'est un peu ennuyé à la maison. J'avais beau jouer avec lui, faire des activités, j'avais quand même besoin de réviser tout ça. Et lui voulait sortir. Alors je savais qu'il était malade, donc il vaut mieux éviter de les sortir quand ils sont malades. Du coup on n'est pas sorti, donc il s'est un peu, voilà, il venait avec son manteau, ses chaussures en me disant genre je vais bouger quoi. Donc là je sais qu'il est à la crèche, il va aller un petit peu dehors mais il va pas être beaucoup dehors. Quoique il commence à faire beau, mais bon. Mais c'est surtout qu'il sera avec ses copains, il va faire des jeux et tout, donc il va s'amuser. De toute façon, j'ai prévu la crèche, je leur ai expliqué, je leur ai dit que s'il y a quoi que ce soit, s'il a de la fièvre, s'il vomit, s'il tout se trouve, vous m'appelez et je vais le chercher. De toute façon, je suis à côté. Voilà pour les nouvelles. Voilà, moi je suis pas en grande forme, hein, je pense que ça se voit. J'ai du coup pas révisé encore ce matin. Il est 11h30, je vais manger, puis je vais attaquer les révisions. Je pense que je vais réviser jusqu'à 1h30, 2h le temps que le chéri arrive. Et cet après-midi avec le chéri on doit aller au magasin de bricolage acheter des trucs pour commencer en fait la peinture de la chambre de Kayla. Donc j'ai acheté de la peinture mais bon comme c'est un mur brut, enfin il faut plein de trucs, il faut de l'enduit et tout ça, donc on va aller chercher tout ça cet après-midi. Et je suis censée commencer à détapisser sa chambre, j'ai déjà enlevé les meubles en fait d'un côté, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis voilà, donc voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine. Et c'est vrai que voilà, avec les révisions, alors vlogger en soi ça prend du temps mais ça va, mais le plus long c'est monter, planifier tout ça. Et c'est vrai que le fait de vous faire des vlogs tous les jours, bah, ça fait beaucoup de boulot, donc j'étais obligée de diminuer le rythme pour réviser. Et puis là pour le coup pour m'occuper aussi des travaux que je vais en faire dans la chambre de Kayla, en sachant qu'après il y aura d'autres travaux qui vont suivre dans l'appartement.
Mais voilà, donc tout ça vous le verrez un petit peu au fur et à mesure des vlogs. Donc bref, je vais pas m'éterniser parce que je vais vous parler après et puis qu'il faut que je mange. Donc je vous parlerai vraiment plus tard quand je serai plus tranquille, mais je vais vous montrer mes achats. Voilà, le magasin, je suis allée à Bio, c'est bon. Alors, j'ai pris une salade. C'est quoi ça? Deux citrons. Ça c'est pour me faire une eau le matin pour détoxifier un petit peu le corps. Ça c'est des bananes. Ça c'est des patates douces. Des pommes. Et des petites clémentines. Voilà. Les petites clémentines, donc tout ça en fruits et légumes, j'en ai eu pour une dizaine d'euros, donc ça va. Et après par contre j'ai voulu tester du râpé bio et de la crème fraîche bio. Alors pourquoi? Parce que je vous avais dit, j'avais envie de repartir sur du bio au niveau des fruits et des légumes grâce à Nico de la chaîne Nicook, donc le mari d'Elissa de la chaîne Ellie Rose, qui disait que, enfin voilà, qui avait fait ses courses, et en particulier il a parlé du râpé en disant qu'au niveau du bio il n'avait pas du tout le même goût, qu'il était bien meilleur. Donc je me suis dit, bah, écoutez, je vais tester. Donc j'ai pris un paquet de râpé, c'était 1 euro, enfin c'était le prix d'un gros, enfin, d'un paquet de deux fois plus en quantité en fait chez, en normal, c'est deux fois plus cher quand même, bon voilà. Et la crème fraîche c'est pareil, c'était 1,50€ je crois, ou 1,30€, et voilà, vous avez la moitié de la quantité d'un gros pot. Mais à voir, voilà, si la qualité est là, je me suis dit ça sera sympa pour tester. Donc au total j'en ai pour 13€ tout ça, voilà. Donc c'est pas donné, mais bon, après à voir, hein, la... Après ça dépend des choses, les prix sont pas exagérés. La salade c'est 1,30€, pas bio ça coûte 1€, donc bon, c'est pas une énorme différence. Voilà, j'ai pris quelques petites choses. J'ai pas pris beaucoup de fruits et légumes parce qu'on n'en mange pas beaucoup. Mais voilà, petit à petit pour justement goûter, voir si le goût est meilleur. Peut-être que du coup j'en mangerai plus. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Alors d'abord j'ai récupéré ma commande du coup de Françoisien, ma commande du mois. Donc j'ai profité des soldes pour faire mon achat du mois. C'est des livres qui m'ont coûté aux alentours des 5€, pas plus, ça c'était 5-6€ et chacun. Mais du coup en ce moment, si vous êtes abonné Françoisir, les soldes c'est 1 plus 1 gratuit. Donc en plus d'être soldé, vous payez qu'un seul des livres. Donc si j'avais attendu un peu, j'aurais payé 6€ les deux. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour ceux qui sont intéressés, ça vaut quand même le coup. Voilà, moi j'ai pris du coup un livre blog facile en quelques clics. D'où on verra si ça m'aide à faire le blog. Et du coup un livre sur les anniversaires des enfants, avec plein d'idées de jeux, des DIY. Enfin voilà, il avait l'air plutôt sympa. Voilà, donc pas très cher, je vous l'ai dit. Si jamais vous voulez que je vous parraine à Françoisir, c'est toujours possible. Alors les avantages ont changé, parce qu'à l'époque c'était 75€ pour vous et 75€ pour moi si je vous parrainais. Aujourd'hui je crois que c'est un peu moins, c'est soit 70€, soit 50, je ne sais plus. En tout cas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail chez ma boîte mail qui est toujours notée dans la barre d'infos. Voilà, on vous contactera par mail et je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Je pense que je referai une vidéo sur le club Françoisir parce que j'aime beaucoup, et voilà, moi je trouve que c'est hyper pratique pour les gens qui achètent régulièrement des livres. Bref, alors, parenthèse fermée, donc j'ai acheté ça. Ensuite j'avais acheté ça dans la semaine, je vous avais parlé d'une commande Amazon que j'avais passée, des petites choses pour Kayla, et du coup j'avais pris un truc pour Rowan, et c'était ce petit livre là, et il est juste trop mignon. Donc là c'est les animaux, donc vous avez tout par univers, donc il y a la mer, il y a la savane, il y a la ferme, il y a la jungle, il y a le jardin, il y a la montagne. Et voilà, et du coup à chaque fois vous avez l'univers, il y a la forêt aussi, elle est où la forêt? Elle est là, je me disais aussi, il en manque, voilà. Et à chaque fois vous avez en fait l'univers de Disney, et je trouve les graphismes hyper beaux. C'est les mêmes graphismes, alors attendez je vais vous montrer parce que je ne suis pas très loin. Les mêmes graphismes que ce livre là que j'avais pris à Ron pour son anniversaire, qui est juste magnifique aussi. Donc voilà, donc j'avais vu qu'il faisait des petits livres, je me suis dit je vais tenter, j'en ai pris un pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'adore, et Aaron adore aussi, donc je suis très contente. Je vais lui en prendre d'autres parce qu'il y en a plein dans la collection. Il y en a même un qui fait la musique je crois. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc sur Amazon, parce que ben, je crois que la livraison est gratuite, donc c'est quand même intéressant, vous évitez d'aller en magasin. Et voilà, mais je suis très contente, j'attendais de le recevoir pour en commander d'autres, et je vais en commander d'autres. Et en plus c'est très pratique avec les mots et tout, ben, voilà, c'est bien foutu je trouve. Et c'est aussi pour Kayla, parce que Kayla du coup elle s'entraîne à lire avec ces petits livres là. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer, que je trouve trop mignon pour ceux qui aiment Disney évidemment. Ensuite au niveau des achats,
J'ai refait le stock de lingettes Water Wipe. C'était 10€ les 4 sachets à ma pharmacie au Polygone. Et ensuite je suis passée à la Fnac et je ne savais pas qu'à la Fnac ils faisaient les produits de Monsieur Wonderful. Et j'ai eu l'heureuse surprise de trouver un produit soldé, donc je l'ai pris. C'est une tasse, vous savez, en verre là, enfin en verre, un truc solide, avec le cache-pot en silicone. Mais j'ai trouvé la citation très jolie, donc le meilleur des rêves c'est toujours au réveil. J'aime beaucoup la collection de Monsieur Wonderful. Bon là, je l'aurais jamais acheté au prix normal, elle coûtait 15,99€. Clairement, c'est fait très très cher, je trouve. Là, ça m'a coûté moins de 5€ parce que c'était moins 50 et encore il y avait moins 20%, je crois. Donc voilà, moins de 5€, je l'ai pris. Et je me suis pris un petit stylo noir, donc c'est le Stabilo. Comment ils appellent ça? Styliste, voilà, c'est un petit stylo noir tout fin, voilà, tout simple, c'est pour mon bullet, voilà, parce que j'ai peur que l'autre tombe en rade. Et écoutez, 1€, écoutez, pas très cher. Voilà, donc écoutez, je vous laisse, je vais aller ranger les courses, m'occuper du repas, et je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard, il est bientôt 6h. Alors, pour vous raconter un petit peu l'après-midi. Et ce soir, je vous parlerai de ce dont je voulais vous parler un peu plus tôt, pas eu le temps aujourd'hui. Oui, mon cœur. Le chat, je l'ai mis à sécher parce que je l'ai lavé. Donc cet après-midi, après manger, j'ai révisé pendant un peu moins d'une heure, pas très très longtemps. Puis après, j'ai eu un peu de fatigue, donc je suis allée me reposer, j'ai dormi. Ça m'a fait du bien. Et après, on est parti avec le chéri, j'ai fait tout ce qu'il faut. Alors, attends, je m'en fous plus, hein. Parce qu'en fait, il fait beaucoup de bruit dans la douche. Ah, je vais me mettre là, ça sera peut-être mieux. Donc je vous disais, oui, que cet après-midi on allait chercher les trucs qu'il fallait pour la chambre de Kayla. On a pris une genre de toile de verre pour après faire la peinture parce qu'il y a un mur qui est brut, il y a plein de trucs tout ça, enfin c'est un peu la galère. Voilà, puis on a acheté une machine pour des tapisseries, enfin bon ça nous a coûté quand même assez cher, ça nous a coûté 270€ je crois, que comme ça tout le matériel avec des tapisseuses et paillettes pour la peinture. En sachant que j'avais déjà acheté la peinture et que la peinture ne m'avait quasiment rien coûté vu que je l'avais acheté. Enfin, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que sinon ça aurait fait vite monter la note. Je pense pas que ça coûterait aussi cher, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, faut qu'on la fasse, donc on va la faire. Et du coup, on est rentré. Je suis allée chercher Aaron. J'ai joué un petit peu avec lui. Là, je suis en train de faire le bain, comme vous entendez. J'ai lavé le linge que je vais laver à la main qu'il avait vomitifié. Voilà. Donc là, je vais le sortir. Je vais mettre en pyjama. Et puis, je vais aller chez Kayla. Je vous reprendrai rapidement peut-être au moment du repas, mais surtout je vous reprendrai ce soir pour vous parler ce dont je voulais vous parler depuis ce matin et je n'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave. Donc on se retrouve tout à l'heure. Re-coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain. Je n'ai pas pu vous reprendre le soir parce que c'était un peu le rush et surtout qu'après j'étais vraiment fatiguée. Ça a été, je me suis couchée assez vite hier soir, mais du coup la nuit était encore très compliquée parce que j'ai gardé Aaron avec moi. Il a continué à avoir des quintes de toux, alors ça, il en a eu un petit peu moins qu'hier. Mais voilà, ça n'a pas arrêté, il a pas vomi par contre, donc ça j'étais très contente. Ça veut dire qu'il a mangé, qu'il a gardé ce qu'il a mangé, donc c'est cool. Et du coup voilà, donc la soirée était compliquée, c'est pour ça que je ne vous ai pas repris, puis j'étais très fatiguée, j'avais une tête, voilà. Donc je me suis dit que je vous reprendrai aujourd'hui pour vous parler ce dont je voulais vous parler depuis hier, et que je n'ai pas eu le temps. Donc là je prends le temps, parce que la journée ici ça va être le rush encore une fois. Même si je reste à la maison, j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, en fait je voulais vous parler d'une chose, et je pense pas vous en avoir déjà parlé. Moi, pour celles qui se demanderaient, qui ne savent pas, d'origine, enfin de religion, je suis catholique. Après, voilà, je suis pas quelqu'un de très fermé à ce niveau-là. Pour moi, la plupart des religions se retrouvent quand même en certains points. Et puis voilà, après, voilà, je fais pas l'église spécifiquement et tout ça, mais c'est vrai que je fais baptiser mes enfants, voilà, je crois en Dieu, enfin voilà. Bref, et du coup, des fois, cette croyance, une religion, voilà, empêche certaines personnes d'avoir d'autres croyances. Moi personnellement ça ne m'empêche pas, vous allez comprendre en fait par rapport à quoi je vous dis ça parce que ça vous paraît bizarre, mais moi par exemple je pense qu'on a plusieurs vies. Je l'ai toujours pensé parce que je me suis dit que c'était pas possible en fait d'avoir qu'une seule vie. Des fois les gens font des erreurs, font des mauvais choix et du coup ils vont avoir une mauvaise vie et je me dis c'est pas possible qu'on en ait qu'une. Pour moi c'était pas logique déjà à la base, il y a des années que je pensais ça. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai évolué tout ça, cette croyance là c'est, développée. Donc pour moi voilà, je pense qu'on a plusieurs vies. Après voilà, je vous dis pas que c'est la réalité, que c'est comme ça, je vous donne juste mon opinion. Et j'aimerais bien avoir vos retours aussi, voir votre avis par rapport à ces croyances là. Donc tout ça pour vous dire que voilà, moi j'ai toujours pensé ça et... Et en fait, par hasard, je suis tombée sur des vidéos YouTube d'un gars qui parle de ça, qui parle des vies,
qui parle un peu de l'au-delà, qui parle des défunts, qui parle aussi de, des âmes sœurs, des âmes jumelles. Et ça m'a beaucoup intéressée. Donc voilà, je voulais vous en parler pour ceux qui sont intéressés par ce côté un petit peu spiritualité et qui sont ouvertes à ces possibilités-là. La chaîne, c'est David Saba Medium. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis vraiment tombée par hasard dessus et j'ai trouvé ces vidéos assez parlantes. Bon, certaines n'ont pas une qualité de son de fou, mais bon voilà, on comprend ce qu'il dit, c'est l'essentiel. Et voilà, enfin bon, c'est des vidéos qui sont assez longues, mais je m'y suis pris et j'en ai regardé quand même la partie sur les âmes sœurs. C'est vrai que j'ai toujours pensé qu'on avait au moins une âme sœur. Quelqu'un qui nous complète, quelqu'un qui nous correspond. Mais je me suis dit quand même, une seule. Des fois ça arrive que les gens, j'ai des personnes autour de moi, qui sont parfois amoureuses de deux, ou qui ont aimé deux personnes très très fort dans leur vie, qui ont eu un lien particulier avec cette personne là et du coup on s'est dit c'est bizarre quand même si on a vraiment qu'une personne qui sort vraiment du lot. Et en fait dans cette vidéo il explique qu'on peut avoir une ou plusieurs âmes sœurs dans une seule vie ou dans plusieurs vies, que parfois on en croise, que parfois on ne les, ils font que passer dans notre vie, des fois on a des longues histoires d'amour avec, enfin bon voilà, bref, je vais pas lui raconter tout ce qu'il raconte dans cette vidéo parce que de toute façon ce n'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, je trouve que ça vous ramène vraiment des informations. Il n'y a pas énormément de contenu à ce niveau là je trouve sur YouTube ou ailleurs, il y a des livres et tout ça, mais c'est pas un truc hyper bien renseigné. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas moi je me suis régalée à regarder ces vidéos, donc voilà, je voulais conseiller. Certaines personnes ça va paraître très bizarre parce que il y a certaines personnes qui sont pas du tout, qui croient en rien ou je sais pas, enfin qui ont des croyances très différentes. Moi dans ma vie en règle générale, depuis que je suis toute petite, la spiritualité, l'au-delà, c'est un truc qui a toujours été présent, qui a toujours existé, qui est réel pour moi. Pour vous dire la vérité, j'ai fait les cartes, je pense que je ne vous l'ai jamais dit. J'ai fait les cartes, enfin j'ai commencé à faire les cartes quand j'avais 12 ans. Ouais, 12 ans. En fait ça m'a intéressé bien. En fait depuis que je suis toute petite, quand je voyais, j'ai des tantes qui ont fait les cartes à une certaine époque. Quand je les voyais faire, c'est un truc qui m'a toujours attirée, qui m'a toujours plu. J'ai toujours eu envie de le faire, mais on m'a dit pendant des années, tu es trop petite. Ça, même à 12 ans, hein, j'étais peut-être encore trop petite pour le faire des gens. Mais à 12 ans, j'ai une de mes tantes, on va dire, qui m'a pris un petit peu son aide, qui m'a dit écoute, si tu veux vraiment le faire, il faut que tu gagnes ton argent, que tu t'achètes ton jeu, et voilà, et tu pourras commencer. Et du coup j'avais fait à l'époque le muguet, je vendais du muguet et j'avais eu assez d'argent, je m'étais acheté deux jeux, donc l'oracle G et l'oracle Béline, pour ceux qui connaissent, c'est des classique on va dire de, voilà, de la cartomancie. Et, et j'avais acheté ça et elle m'a dit prends les livres, voilà, pour parce qu'en fait dans les livres vous avez les significations de chaque carte et en fait à la base c'est par rapport à ça qu'on apprend ou pas à faire les cartes. Et donc j'avais acheté tout ça puis j'ai commencé à les tirer. Et en fait elle m'avait dit faut que tu lises le livre et tu t'en imprègnes, tu essaies d'apprendre un petit peu chaque signification, tout ça. Les livres je ne les ai jamais ouverts, jamais. Je pense que c'est très utile pour la plupart des personnes, mais c'est vrai que moi, non, en fait, ça m'a tout de suite parlé. Les cartes avaient une signification que je leur donnais moi, qui n'était peut-être pas forcément celle du livre. Et je sais pas, j'arrivais à les interpréter, enfin, ça fonctionnait comme ça. Donc j'ai jamais eu besoin de lire ces livres-là, je les ai toujours, je crois encore. Mais j'ai commencé à faire les cartes à ce moment-là et je les ai fait presque toute ma vie depuis. Mais j'ai arrêté, on va dire, j'ai commencé à 12 ans et j'ai arrêté à 20 ans de les faire parce que... jusqu'à 20 ans c'était quelque chose que je faisais très régulièrement, trop régulièrement je pense. Je les faisais très souvent aux copines, aux amis, à la famille, des fois à des amis qui me demandaient. Sauf que c'est quelque chose qui prend quand même pas mal d'énergie. Quand vous le faites des fois à des personnes qui sont, qui ont un peu des malheurs, qui sont un peu négatives, quoi, des fois ça peut vous amener aussi du négatif à vous. Donc c'est assez délicat, il faut se protéger, enfin, il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à tout ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup voilà. Donc à 20 ans j'ai arrêté tout simplement parce que j'étais enceinte et que c'est pas vraiment conseillé de les faire quand on est enceinte parce que justement c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Et j'ai arrêté pendant tout le temps ma grossesse et puis les premiers mois quand ma puce était petite. Quand j'ai repris les cartes, ça a été c'était revenu plus fort, en tout cas moi je le sentais plus fort. Et j'ai commencé à le faire en fait, parce que j'étais chez moi vu que la petite, je ne travaillais pas, la petite était petite et voilà, je pouvais pas, enfin j'étais vraiment chez moi. Et quand quelqu'un avait besoin que je lui fasse les cartes, des proches ou quoi, ben je me suis dit je vais tenter de le faire à distance avec une photo ou si c'est quelqu'un que je connais juste par la pensée. Et ça fonctionnait, chose que je ne faisais pas avant. Avant je faisais qu'en face à face avec quelqu'un, voilà, qui tirait les cartes après ma grossesse, du coup après une absence, voilà, de, on va dire une abstinence de tirage de cartes, c'est revenu plus fort. Donc j'ai commencé à le faire à distance et j'ai commencé à le faire à des personnes que je ne connaissais pas du tout. J'avais créé une page internet à l'époque où je faisais des tirages de cartes, ça marchait plutôt bien.
Et les gens étaient contents. Après, je pouvais pas vous dire, je pense que je suis une bonne tireuse de cartes, même si aujourd'hui je ne fais plus, mais j'ai beaucoup de gens qui revenaient me voir en me disant tout ce que tu m'as dit c'est arrivé, et qui revenaient me voir régulièrement. Et moi je ne pourrais pas vous le dire parce que tout simplement j'oublie. En fait, dès que je fais des cartes, une heure après que j'ai fait la séance, si la personne revient me demander ce que je lui ai dit, je ne suis incapable de m'en rappeler. Je suis incapable, je n'ai aucune mémoire pour ça, je sais pas, je pense que c'est un truc automatique. Ma tante m'a dit que c'était vraiment un automatisme et que c'était, enfin c'était pas moi qui gérais ça, que voilà, c'était comme ça. C'est fait exprès pour que justement on n'ait pas trop de choses en tête, qu'on garde pas aussi des fois les influences des autres, et du coup ça s'efface. Donc j'ai aucun souvenir, j'ai beaucoup de gens qui revenaient en me disant, même des amis de la famille tout quand je les ai, qui me disaient ouais t'es trop forte, ça s'est réalisé, tout ce que tu m'as dit. Mais moi je ne sais plus du tout ce que je lui avais dit. Ils vont me dire, je sais pas, quelqu'un qui revenait me voir, oui t'avais raison, j'ai eu une petite fille, je sais pas. Et je disais, ah ouais, mais moi je savais plus où je lui avais dit ça en fait. Donc c'était très drôle des fois. Du coup j'ai commencé à faire comme ça en fait, à distance, à des personnes. J'en faisais régulièrement, franchement j'en ai fait quand même pas mal. La page fonctionnait plutôt bien. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, qui peut amener beaucoup de négatif. Et du coup j'ai eu aussi... des soucis dans ma vie en général, et voilà, ça m'a fait dire, alors c'était peut-être pas forcément lié, mais du coup je me dis peut-être que je vais diminuer. Et en fait au final j'ai repris le boulot, du coup j'ai complètement arrêté, j'avais plus du tout le temps ni l'envie, et voilà, puis je suis passée à autre chose, j'ai repris le boulot, après j'ai eu Aaron, donc de nouveau en scène, de nouveau un bébé, donc plus de cartes. Et depuis la naissance d'Aaron, je ne les ai quasiment jamais fait, une ou deux fois quelqu'un de la famille quand il avait besoin, mais j'ai plus fait du tout aux personnes extérieures, et je ne pense pas le refaire, enfin si vraiment il y a une amie d'une amie qui a un besoin, enfin bon voilà. Sinon c'est pas vraiment une activité dans laquelle je me vois évoluer. C'est vraiment plus un passe-temps pour moi. Et en plus moi j'aime pas trop parce que quand je le fais à mes proches, évidemment je le faisais gratuitement. Quand je le faisais à des personnes extérieures qui n'habitaient pas ici, ça me prenait du temps, donc je demandais un petit peu d'argent. Après si je demandais vraiment pas grand chose, mais du coup voilà. Et en même temps j'aimais pas cette démarche de demander de l'argent pour faire un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi, parce que c'est pas quelque chose qui me correspondait. Même si j'adore faire ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Après je pense que c'est un truc sur lequel je repartirai plus tard, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'enfants à gérer au quotidien, plus toutes mes autres occupations. Je pense que c'est quelque chose vers laquelle je me retournerai plus tard, parce que ça fait partie de moi, parce que j'adore ça, et que voilà, là c'est un stand-by. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que du coup c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne vous ai absolument pas parlé, et c'est un truc qui est vraiment très important dans ma... enfin qui a été très important dans ma vie, qui est toujours présent même si je ne les utilise plus au quotidien. En règle générale, la spiritualité c'est vraiment un aspect de ma vie, c'est un truc qui est très important pour moi, et voilà. Donc c'était important que vous le sachiez, et j'aimerais bien avoir vos retours. Après voilà, je me doute qu'il y a des gens qui sont complètement sceptiques, qui ne croient pas du tout ni aux cartes, ni au l'au-delà, ni aux spiritualités, ni à quoi que ce soit. Et il n'y a pas de souci, je respecte complètement ça. Moi en tout cas je me sens bien dans ces croyances là, donc c'est l'important. Et une chose à savoir aussi, alors en règle générale, je sais pas si c'est tous les tireurs de cartes qui ont ça, mais en règle générale on ne peut pas se tirer les cartes à soi-même. Ça veut dire que je peux le faire aux autres, mais pas à moi ni à quelqu'un de très proche, comme mon homme par exemple, je ne peux pas lui tirer les cartes. Ça ne fonctionne pas. C'est tout flou, je vois rien. Ou je vois sinon des choses que j'ai envie de voir. Du coup, je sais que le jeu est influencé et ça ne marche absolument pas. C'est un peu le revers de la médaille en fait. J'ai un don, si on peut appeler ça un don, mais qui n'est pas utile pour moi-même. C'est comme ça. Mais ouais, c'est assez drôle parce que je sais que souvent les gens me le demandent, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir le faire, et je pense que beaucoup de gens peuvent le faire, et franchement il suffit d'avoir un petit peu d'intuition, un petit peu de justement d'être attiré par la spiritualité, puis après on évolue, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de les faire. Mais du coup il y en a beaucoup qui se disent ouais j'aimerais bien les faire pour me les faire à moi-même. Je dis mais laisse tomber, tu pourras pas te les faire à toi-même. Si t'es vraiment un bon médium, souvent tu peux pas te les faire à toi-même, donc voilà, c'est pas la peine. Après voilà, moi je suis toujours contente quand je peux aider, quand je peux amener. Après comme je dis, c'est pas une science sûre, c'est une science qui est... On a un destin, pour moi je pense qu'on a un destin, mais qu'après il y a beaucoup de chemins pour aller à ce même destin. Et que parfois nos choix, notre libre arbitre peut faire qu'on prend des chemins différents que ce qui était prévu pour nous. Donc voilà, c'est pas vraiment une science sûre, mais ça peut aider, ça peut donner une piste. Quand on a des questionnements, ça peut dire cette solution est peut-être meilleure que l'autre. Ou quand on a un doute sur une personne, on peut avoir des précisions en demandant si c'est une personne positive pour nous, qui nous a vendu bien, ou c'est quelqu'un qui nous veut du mal. Voilà, ça peut aider dans ce côté-là. Et voilà, moi c'est vrai que je les ai plus,
plus du tout fait, et j'avais une amie qui les faisait aussi, donc du coup on se faisait mutuellement pour qu'on puisse se faire à nous-mêmes quand même. Moi je les faisais à elle, elle me le faisait à moi, mais du coup je les ai plus fait depuis des années parce que j'en ai plus ressenti le besoin. Voilà, j'ai pas eu de questionnement spécifique, j'ai pas eu de besoin vraiment, voilà. Contrairement à quand j'étais jeune, où j'avais beaucoup de... quand j'étais jeune, j'ai l'impression d'être vieille, j'ai pas 30 ans, mais je suis vieille, c'est pas grave. Non, je veux dire, quand j'avais 15 ans, voilà, j'avais tout le temps des questions à poser, j'avais toujours 1000 possibilités, 1000 trucs incroyables, et bref. Voilà. Ça fait 20 minutes que je vous parle, c'est génial. Donc voilà, je vais l'appeler vidéo blabla spiritualité, je pense. J'ai surtout hâte en fait d'avoir vos retours, d'avoir votre avis et voir si vous aussi vous avez vécu peut-être des choses qui vous ont fait croire à ça, à l'au-delà, à la spiritualité, s'il y a des choses qui vous ont ouvert les yeux, ou au contraire si pour vous c'est quelque chose qui est complètement inexistant, voilà. Ça m'intéresse, après voilà, je veux pas de débat spécifique, mais vraiment j'aimerais bien avoir vos retours qui soient différents ou en accord avec mon avis. Écoutez, je vais vous laisser, je vous reprendrai peut-être en cours de journée juste pour vous montrer un petit peu l'avancée au niveau de la chambre de Kayla. Parce que là je dois tout vider et détapisser, enfin détapisser, avec le chéri, avec la machine, on a acheté la machine donc je pense que ça va aller vite, j'espère. Et du coup on doit détapisser la chambre, c'est l'objectif du jour, donc je vous dirai ce soir si on a réussi ou pas. Et parce que demain ils doivent poser la toile de verre avec mon beau-père, voilà. Donc écoutez, on verra. Bon ben on se retrouve un peu plus tard.